vivre pleinement sans y penser. Pleinement sans y penser. Maigrir facilement. Il faut bouger le popotin. N'importe quoi. Coucou mes choubidous. Alors, j'ai plein de boutons. Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Regardez. Je crois que j'ai mangé trop de fraises et je suis en train de payer les fraises. Est-ce que ça me donne des boutons les fraises? Ou les myrtilles. Peut-être que les myrtilles me donnent aussi des boutons. Bon, bref. En fait, je voulais vous dire que mon régime alimentaire, enfin mon rééquilibrage alimentaire, effectivement, avant toute chose, je danse tous les matins. Ouais, c'est un petit peu comme ça. Je danse tous les matins et je rééquilibre mon alimentation. C'est-à-dire que je peux prendre des tomates qui a du goût, qui est très très bonne, et j'agrémente avec de la vinaigrette de mangue parce que je trouve ça super bon. Et puis je peux mettre avec des tagliatelles de courgettes, avec du poisson. Je mange beaucoup de poisson frais, mais beaucoup, beaucoup. Je commande à La Belle Vie, mon épicerie que j'adore. Je vous la recommande à 1000%. Je ne sais pas si, je crois qu'ils vont aller dans la France entière. En fait, en 1 heure, vous êtes livré, et franchement, c'est moins cher qu'au champ. Alors, il y a des choses qui sont plus chères, d'autres moins chères, mais à peu près, on va dire, ça s'équivaut, quoi. Donc, moi, je vais faire mes courses, je fais mes courses, je me fais livrer. Tranquillos. Donc, j'ai une très bonne cliente chez eux de La Belle Vie. Et puis, donc j'ai pris, donc je vous ai dit, des courgettes. J'essaye d'alimenter, de mettre des. Ah, je ne sais plus parler. J'essaye de mettre des légumes frais, beaucoup de fruits. Je cuisine beaucoup. Mais plutôt, je cuisine, on va dire, je fais des œufs aussi. Je fais l'avocado. Avocado. D'ailleurs, j'écrase de l'avocat. Je mets dedans, je mets des tas d'herbes. Et puis, je mets du saumon, parce que, ou du saumon, de la truite fumée. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est juste histoire de donner du goût. Alors je casse un œuf poché, je mets un œuf poché dessus. Voilà, je fais plein de choses comme ça. Pour l'instant, je ne peux pas filmer dans ma cuisine parce que ma cuisine n'est pas faite. Mais je vous assure que dès qu'elle sera faite, je le ferai. Et voilà, donc mon rééquilibrage alimentaire. Yeah! Ah, si, ça se voit quand même. Voilà, dans mes vêtements, parce que je nage dans certains vêtements que je ne mettais plus. Parce qu'ils étaient trop serrés et un pull, là, je nage dedans. Alors donc, je me dis, c'est bon, c'est positif, mais il faut savoir que j'ai arrêté le coca. Et je crois que le coca, il fait pour énormément. Et j'ai ma coach qui m'a dit, Sybille, depuis que tu as arrêté le coca, c'est sûr que. Et vous Bah, c'est voyez, et puis normal. j'ai trouvé à La Belle Vie des petites clémentines, c'est une pure tuerie. Alors, on est au mois de mai, c'est tuerie. C'est mandarine, c'est clémentine, c'est une tuerie. Elles s'appellent les succulents. Elles sont extrêmement bonnes. Et je les ai payées, quoi, les 300-400 grammes, 2,75, quoi. Donc, franchement, les tomates, les 2 grosses tomates jaunes, je les ai payées 3 euros, 2,30, quelque chose comme ça. Mais je mets un petit peu plus cher, mais au moins, je préfère la qualité. Mais par contre, j'ai acheté des fraises d'Espagne, mais pas sur ce site-là. J'ai des boutons. Mon Dieu, ça me gratte en plus. Voyez, regardez ce t-shirt. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un challenge? Dites-moi oui, dites-moi non. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un challenge de façon à ce que je fasse un make-up avec toutes ces couleurs-là? Voilà. Vous me le dites et je le ferai. Ah bon, on va rigoler, hein? On le fera ensemble? Voilà mes choubidous, ben, je mets ma vidéo maintenant. Rééquilibrage alimentaire n'est pas que l'alimentation, est aussi. Moi, je déteste la gymnastique, le sport, mais par contre, j'adore la danse. Donc, je danse sur des chansons, notamment sur toujours la même chanson. Je dois saouler mes voisins, mais je m'en fous royalement. Je ne vous dirai pas parce que c'est une Bah, bravo, chanson qui est maman, un un peu Donc, comme je ne vous d'habitude. dirai pas, c'est un rappeur. Deux rappeurs, c'est deux rappeurs en fait. Et j'adore leur musique, j'adore leurs chansons, et du coup, je danse dessus. Sur ce, ben, je vous laisse. On est encore sur ce canapé parce que dans peu de temps, il va partir. J'ai mon amie qui m'a posé le papier peint qui va venir cette semaine. Je pense qu'elle va m'aider. Peut-être on va aller acheter du sol. On va voir. Elle avait trouvé un truc super, un peu mosaïque là, des dalles. Alors je ne sais pas, peut-être que. Et puis mon make-up est comme ceci. Je l'ai fait avec l'unicorne. Voilà, Oh. j'ai mis toujours le Et puis blanc. je vais vous faire quelques pas de danse, d'accord? Ok. Il faut bouger le popotin. N'importe quoi, bye. Ah, oulala. Voilà.
Je vous aime. Écoutez, maintenant je vous laisse regarder ma vidéo. L'intro, elle a duré 3 plombes, elle a duré 5 vidéos. Mon rééquilibrage alimentaire. Maintenant je vous laisse regarder ma vidéo. Seulement sans y penser. Maigrir facilement. Coucou mes choubidous. Avant chaque régime alimentaire, tous les matins, petite danse. Petite salade à l'ancienne avec tomates rouges, tomates jaunes, mozzarella, polenta. Et pour finir, des belles myrtilles. Choubidou, alors, à la cantine, j'ai la chance au restaurant d'entreprise de pouvoir manger de la dried haricots verts avec du chou romanesco, c'est très bon. Pâtes avec petits légumes, escalope de volaille, pommes et compote de pommes. Pommes, c'est pour cet après-midi et ma bouteille d'eau. Ça n'a plus rien à voir avec ce que je mangeais, je vous assure. On peut très bien manger équilibré au restaurant chinois. Petite salade de fruits, des sushis et du riz aux légumes, un délice. Aujourd'hui, petite salade de tomates avec de la vinaigre de mangue, des radis, de la compote au citron, au yuzu, des conchilis qui sont très 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 bonnes. Équilibre. Franchement, il y a, je ne sais plus, c'est 133. C'est très très peu, c'est très équilibré, c'est vraiment génial. Et c'est Picard qui fait ça. Et ça, c'est qui? Salade boule de Picard, sympa, faut la faire décongeler très 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 longtemps et un petit taboulé. Voici la salade de mon invité. Là, c'était une petite salade très très sympa avec des petites herbes, des civettes, du pain complet. Et très bonne la petite salade avec la vinaigre de mangue. Et puis des tortellini de chez Picard, vraiment très très bon, le petit pain pas mal aussi. Et en fait, pour finir, mais franchement, c'était très très sympa, hein, délicieux. Et pour finir, j'ai pris des fraises fraîches. J'ai oublié le yaourt au citron. Alors, j'ai mangé des fraises vertes, n'importe quoi, mais je suis vraiment martienne, moi. Allô, Houston, on a un problème, on a perdu Sybille. Des rouges? Ben oui, parce que de toute façon, elle peut être que rouge. Ça m'a donné plein de boutons. Et vous, ça vous donne des boutons? Et j'ai pris une super salade, j'avais acheté des myrtilles fraîches, parce que maintenant, je mange énormément de myrtilles fraîches, parce que je ne savais pas le goût, mais c'est délicieux, je ne mange que ça. Et c'est très bon pour la santé. Je vous le recommande, manger des myrtilles fraîches, ça coûte 2,50 € la petite barquette, et franchement, c'est une pure tuerie, et c'est très très bon et très sain pour la santé. Et j'ai vu un monsieur qui faisait la manche, ça faisait deux fois que je le voyais, parce que j'ai fait du shopping aussi. Et deux, trois fois que je passais devant, et je me suis dit, je vais lui donner. Donc je lui ai donné, et il était très content, j'espère qu'il l'a mangé. Je ne sais pas quelle saveur avait cette salade de fruits, mais en tout cas, j'espère que ça avait une saveur délicieuse pour lui, parce que c'est triste. Petite salade verte avec saumon brocoli et des fraises et du fromage de brebis. Miam! Alors, je vous dis, ce soir, j'ai mangé champignons, ail, persil et citron, jus de fraises et petit plat Picard, aiguillettes de poulet au miel et aux épices, semoule, aux petits légumes et fruits secs. Il y a moins de 2% de matière grasse et il n'y a que 372 calories. Pour un plat, c'est parfait. Une pêche jaune et un yaourt au citron. Voilà! Je vous fais plein plein de bisous, je vous embrasse très fort. Coucou mes choubidous, petite salade fraîche du matin. Tout, des fruits frais, c'est super bon. Un jus de fraise, un thé de la marque Zen, qui est très très bon. J'achète à Paris, c'est vraiment un super thé avec de l'eau. Il y a plein de choses dedans. Et puis trois tranches de pain complet beurré. Voilà, ceci est mon petit déjeuner. Je vais me préparer, je vous souhaite une très très bonne journée. Alors, on continue. Vous avez vu qu'hier, j'avais mangé des champignons en salade avec du citron. Et en fait, comme c'était, il m'en restait encore, donc je l'ai mélangé avec de la salade. Une petite mousse au chocolat, parce que je n'ai pas envie de la perdre. 24 mai, il reste 3 jours. Tant pis. Hein. Et puis, du riz, sauce curry, avec du kefta. Et un petit fromage brie delight, que ça, je peux en manger, parce que ça ne fait pas du grossir, et du pain complet. Voilà, voilà. Je vous dis à demain. Coucou mes choubidous, alors petite pizza sympa, melon très dur, haricots verts avec saumon, mais je trouve qu'il est un peu blanc pour du saumon, mais c'est du saumon. Voilà mon petit repas de midi. Choubidou, alors melon, Perrier en fait c'est très très peu calorique, faible en calories, vous voyez c'est marqué, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué. Perrier de jus c'est ananas mangue avec du pain poilane. Des pâtes complètes avec tortilles, Weight Watcher, une petite sauce et des myrtilles. Voilà, bon appétit. Repas, alors courgettes, tagliatelle avec poisson, citron et oignon blanc doux, tomates, oranges, c'est tomates anciennes, oranges, un petit peu, ouais, c'est des tomates, je ne sais plus comment on appelle ça, des tomates
Pamplemousse, je ne sais pas comment on appelle les tomates. Ça a un nom, mais je ne m'en rappelle plus. Et puis, clémentine, avec. Elles sont magnifiques, elles sont super bonnes. Au mois de mai, des clémentines, c'est un truc de fou. Et mon yaourt au citron. Voilà, je continue toujours mon rééquilibrage alimentaire. J'ai maigri, je pense que j'ai beaucoup maigri parce que je nage dans mes affaires. Mais ce n'est pas le but de maigrir, c'est le but de rééquilibrer son alimentation. Alors, j'ai épluché des oignons, donc je ne sais pas comment je suis. En tout cas, je vous fais plein de bisous. J'ai peut-être le maquillage qui a coulé parce que voilà, ce n'était pas évident. Je vous embrasse très fort. Je ne filme pas avec le S5 puisque la S5 est en réparation. Et cette fois-ci, ben, je vais mettre en ligne. Et Ma puis, vidéo. si ma vidéo vous plaît, bah dites-le-moi, likez. Si elle ne vous plaît pas, je saurai que je ne le referai plus. OK? C'est seulement avec le like que je vais voir. Sachant que l'algorithme, ce n'est plus du tout, absolument plus du tout, ni les likes, ni les abonnés, ni les vues. C'est le nombre de temps que l'on passe sur une vidéo. Voilà. Parce qu'en fait, ils se sont dit, il n'y a que comme ça qu'on va avoir ceux qui achètent les abonnés. Donc, c'est le nombre de temps qu'on passe sur la vidéo. Ils ont trouvé un moyen. Voilà. Donc, c'est ça maintenant l'algorithme. Je vous embrasse. Bye bye. Vivre pleinement sans y penser.